Normandie Matin. Tendance Ouest. L'éphéméride. Ce jeudi, nous fêtons les Honorines et les Rogers. C'est la journée internationale de l'ours polaire, une espèce menacée. C'est également la journée mondiale des ONG. 67 ans pour l'actrice Yolande Moreau, 46 ans pour la présentatrice télé Julie Andrieux et 27 ans pour le gardien Alphonse Areola. Retour en 1996 avec la sortie des premiers jeux vidéo de la franchise Pokémon. La première apparition donc de Pikachu qui fête ses 24 ans aujourd'hui. En 1999, la disparition de Stefan Sirkis, leader du groupe Indochine à l'âge de 39 ans. En 2008, au cinéma, c'est la sortie nationale du film Bienvenue chez les Ch'tis, il y a 12 ans, plus gros succès du cinéma français depuis 1945, battant le film La Grande Vadrouille qui avait attiré plus de 17 millions de spectateurs. Dur, dur. Il fait très froid. Ouf. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. C'est le nom. C'est pas compliqué de parler de ch'timi. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, hein? Non, cherchez le 1 de 1, 2, 3. Enfin, retour il y a 20 ans, tout juste. Numéro 1, le 27 février 2000, c'était Sex Bomb, interprété par Tom Jones. Sex Bomb, Sex Bomb. Un single qui a rencontré un grand succès, atteignant la première place en France et en Suisse, et dans le top 3 en Grande-Bretagne, en Autriche, en Belgique et en Italie. Podcast by Tendance Ouest.